Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. On devrait se faire une journée de bronzage. Tu as pris ce qu'il faut pour ? Bien sûr, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Tout est là. Les filles, et est-ce que vos petits amis vont venir ? Maya, mais bien sûr qu'ils vont venir. Tu as déjà vu Diana ou Knopa sans eux ? Nastia, tu dois quand même admettre que c'est plus amusant avec eux. Les filles, est-ce que vous êtes jalouses qu'on ait des petits amis? Absolument pas. Les filles, allez, ne nous prenons pas la tête avec ça. Prenez toute une crème solaire et commençons à nous bronzer. Vous savez, les filles, il faut que les garçons arrivent et nous apportent de la limonade. Sinon, on va mourir de soif. En espérant qu'ils en apporteront aussi à Nastia et à moi. Au fait, les filles, quand j'y pense, vos petits amis sont presque nos petits amis. Nastia, quoi? Eh bien, oui, on est presque comme des frères et des sœurs, on est une famille. Nastia, ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Oui, mais Nastia ne sait pas que ça n'a aucun sens. C'est parce que je suis trop intelligente pour que vous me compreniez. Ok, les filles, maintenant détendons-nous et prenons un bon bain de soleil. Les filles, je m'inquiète. Et si mes cheveux bleus décoloraient au soleil? Si ça arrive, tu n'as qu'à les reteindre, c'est tout. Oui, bonjour. Nous aimerions vous commander de beaux matelas gonflables, s'il vous plaît. Vous savez, ceux sur lesquels on peut se jeter. Oui, super. Et de préférence, on aimerait avoir des couleurs roses, bleues et jaunes. Et vert et orange. Je demanderai à Kirill de me jeter sur un des matelas. Oui, merci. On attend notre commande. Au revoir. Merde, les filles, je vous avais bien dit qu'il fallait venir plus tôt à la piscine. Les bunnies ont encore pris tous les transats. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se bronzer sur le banc. Les filles, c'est quoi cette odeur? Ça doit être la crème solaire des bunnies. Il faut qu'on trouve de quelle marque il s'agit. Comme ça, on achètera la même. Je m'en occupe. Voilà l'histoire, les gars. J'ai battu 5 gars à moi tout seul. Les gars, est-ce que vous le croyez? Non. Vous devriez, j'avais une vidéo, mais je l'ai accidentellement effacée. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuve. Donc, tu mens? Toi, seul, battre 5 gars, je ne te crois pas. Je suis un boxeur professionnel et même moi, je n'aurais pas pu faire ça. Merde, les gars, je crois que c'est Stella. Sean, quoi? Tu as rompu avec Stella? Salut Stella. Salut, je viens voir Sean. Où est-il? Sean n'est pas là, tu hallucines. Et en fait, on se parle plus. Vous savez, les garçons, quel est votre plus gros défaut? C'est quoi? Vous ne savez pas mentir, toutes les filles savent quand un mec ment. Sean, est-ce que tu me fuis? Salut Stella, mais non. J'ai trouvé une coccinelle, je vais te la montrer. Sean, où est-ce que tu creuses? Dans l'herbe. Je sais que mon short est vert, mais c'est pas de l'herbe. Arrête de creuser, Sean. Écoutez les gars, vous êtes très amusants, surtout avec vos blagues débiles. Sean, tu as oublié? On a un rendez-vous aujourd'hui, je t'ai même apporté un cadeau. Comment t'as pu oublier? C'est vrai, j'ai oublié. Eh bien, il a essayé d'attraper une coccinelle? Bon les gars, j'ai un rendez-vous. Stella, allons-y. Merde, j'ai oublié. Diana m'attend à la piscine. Et moi, Knopa? Les gars, pas de chance. Les bunnies ne pardonnent pas ce comportement. Les gars, il faut qu'on aille vite acheter des fleurs. Ensuite, à rejoindre les bunnies. Vite, allons-y. Zag, je vais rester et manger des céréales. Zag, grouille-toi. C'est bon, j'arrive. Hey hey! Ma famille et moi adorons les animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de sauver ce zoo abandonné. Télécharge notre jeu pour t'occuper de tous ces animaux et participe à la construction du meilleur zoo au monde. Retrouve-moi dans le jeu. Qui ça? Tu ne trouves pas que c'est méga mode, méga cool et que je suis la plus cool? C'est peut-être cool pour aller dans un club, mais franchement, c'est trop chaud pour la plage. Prends exemple sur moi, mais plutôt un chapeau pour te protéger du soleil. Merde, Kissa, tu as vraiment mauvais goût. J'ai besoin d'un conseil. Les gars, salut! Dites-moi ce que vous pensez de mes jambières. Je sais qu'il fait beau et chaud, mais la mode exige des sacrifices. Mon amie est une vraie frimeuse. Elle veut toujours être la plus cool. Elle essaie et essaie, mais elle se plante à chaque fois. Les gars, vous êtes comme Kissa. Vous n'avez aucun goût. Vous savez, seules les stars portent ces jambières. Et je suis une star. Je n'aurais jamais dû vous demander conseil. Au revoir. Quoi, Blondie, ils n'ont pas non plus apprécié tes jambières en fourrure par ces 30 degrés de chaleur. Qui ça? Arrête de parler. Allons à la piscine. Je veux que tout le monde me voie comme ça. Et tu verras, tout le monde ne regardera que moi. Mais bien sûr, évidemment, tout le monde ne regardera que toi. Alors, j'attends. Quoi? Tu vas me faire ta demande? Je ne vais pas faire ça tout de suite. Tu me mets la pression. Écoute, c'est toi qui as flirté avec moi. Cadeau, bouquet? Je ne veux pas me contenter de cadeaux. Ou tu sors avec moi, ou tu me laisses tranquille. J'ai compris. Il faut d'abord que j'en parle aux autres. Quoi? Sean, t'es sérieux? C'est à toi de décider ça.
Est-ce que tu aimes ma silhouette? Mon physique? Comment ça tu veux en parler aux autres? D'accord, j'ai compris. Stella, veux-tu être ma petite amie? Tu es jolie et je t'aime bien, mais à une condition. Tu ne m'interdiras pas de jouer au basket avec les autres. Tu parles encore des autres. Sean, tu sais, il faut que j'y réfléchisse. Tu me poses trop de conditions. On ne sort pas encore ensemble. Et déjà une dispute. Les filles, c'est fou. Nos petits amis ne sont pas venus. Pourquoi? Ils nous ont oubliés? Les garçons sont tous comme ça. Ils oublient tout le temps leurs copines. Et en plus, Kirill ne répond pas au téléphone. Ils sont certainement en train de jouer au basketball. Ils se fichent de la piscine, des transats et de vous, les filles. Maya, qu'est-ce qui te prend? T'es très méchante aujourd'hui. Allô, Kirill. Quand tu recevras ce message, rappelle-moi. Où est-ce que vous êtes? On vous attend. Les bunnies, salut. Comment ça se passe le bronzage? Ça fait déjà une heure qu'on attend. Et nous aussi, on veut bronzer. À chaque fois, c'est pareil. Vous prenez les transats en premier. Les filles, je comprends pas. C'est quoi le problème? Quelle est votre plainte? Je vous rappelle que ce sont nos transats et nos matelas. Et nous les avons achetés avec notre propre argent. Les filles, il y a plein de gazon libre. Prenez une couverture, allongez-vous et bronzez. Mais non, Nastia, elles veulent s'asseoir sur nos transats. Et vous, les bunnies, ça ne vous dirait pas d'aller sur l'herbe? Elles ne veulent pas, parce qu'elles savent bien qu'il y a plein d'insectes qui piquent. Écoutez, les bunnies, on vous laisse 10 minutes et après, c'est à nous. Oh! Ça alors, quelle insolence! Les filles, si vous avez envie de bronzer sur ces transats, vous n'avez qu'à venir plus tôt. Ce n'est pas de notre faute si vous arrivez après nous. Très bien, j'ai compris. Les filles, on viendra prendre ces transats à 4h du matin. À quelle heure? À 4h du matin. N'oubliez pas de mettre votre réveil, les filles. Merde, mais où sont les garçons? C'est pas eux, là-bas? Les garçons, vous connaissez vraiment la mode. Vous êtes bien les seuls dans cette villa à avoir aimé les jambières en fourrure. Blondie, c'est super cool, classe. Tu es très duveteuse. Je les aime aussi, hein. Merde, les garçons, vous êtes trop cool. Vous êtes gentils, vous m'avez remonté le moral. Si seulement t'étais toujours de bonne humeur. Les garçons, je vous remercie de l'avoir complimentée. Elle n'arrête pas de me saouler avec ses jambières. Qui ça, comment tu fais? Elle a une sale caractère. C'est simple, elle est la folle et je suis la calme. On est comme le yin et le yang. Oh bon sang, c'est pour ça que les garçons ne sont pas venus et qu'ils ne nous ont pas apporté de limonade. C'est à cause de Kissa et Blondie. Allons discuter avec eux. Thomas va voir ce qu'il va voir. Les gars, c'est tellement cool. On est presque amis maintenant. Allô, les garçons? Non mais vous êtes sérieux? On vous attendait. Thomas, c'est quoi le problème? Vous avez oublié qu'on vous attendait? Les garçons, vous êtes foutus. Salut. On cherchait des fleurs, mais on n'en a pas trouvé. Les bunnies, bien joué. Maintenant, vous avez gâché leur bonne humeur. Sérieusement, Blondie? Et voilà, les bunnies vont s'énerver. Knoppa, coucou. Ça ne va pas t'aider, Thomas. Vous savez quoi, les garçons? On vous a attendu près de la piscine et vous n'êtes pas venus parce que vous étiez avec Kissa et Blondie. Vous devez vous entendre très bien pour aller acheter des fleurs ensemble. C'est sûrement parce qu'ils ont voulu acheter des fleurs pour Kissa et Blondie. Peu importe, les bunnies règnent. Les bunnies sont cool. Les bunnies sont les meilleurs. Et on s'en va. Vous avez entendu? On s'en va. Comme ça, vous pouvez continuer à traîner avec Kissa et Blondie. Mon Dieu, c'est encore notre faute. Les garçons, je suis désolée pour vous. Elles règnent, elles sont cool. Et nous, on n'est pas cool. Vous êtes cool, les garçons. Bien sûr que vous êtes cool. Les garçons, vous n'en avez pas assez d'entendre. Les bunnies règnent, c'est à votre tour de régner. Oui, c'est une bonne idée. Les garçons règnent. Les garçons règnent, les basketteurs règnent. Les garçons, on est avec vous. Et les bunnies vont perdre la tête. Je parie que les garçons sont en train de nous regarder en ce moment. Mais on s'en fiche. Exactement, laissons-les réaliser qu'ils ont fait une erreur. Ouais, les filles, on est vraiment malchanceuses. On n'a pas eu de transat et on n'a nulle part où aller. Ça ne fait rien, les filles. Demain, on prendra les transats de bon matin. On ira à la plage et on y bronzera toute la journée. Quoi? Moody, tu pourrais enlever tes écouteurs. Ouais, et il y aura plein de transats et plein de beaux mecs. Alors, les filles, un bonbon? Et demain, on ira à la plage. Tu m'énerves avec tes écouteurs. Tu ne pourrais pas les enlever. Elle ne t'entend pas. Tu peux me donner un autre bonbon? Tu n'en auras pas. Les filles, c'est moi ou vous êtes nerveuses? Oui. Enfin, non. Vous verrez, ils vont venir et nous dire « Les filles, on est désolées, on a merdé. » Non, Thomas est une vraie ordure. On commence à peine à sortir ensemble et ils courent déjà après Kissa. Et ils ne vous ont même pas apporté de limonade. Aïe, 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 vilain Thomas, vilain Kirill. Bonnie, dis-moi pourquoi c'est aussi dur de comprendre les mecs. Bonnie, dis-moi pourquoi Thomas a subitement changé comme ça. Si seulement Bonnie pouvait parler.
Merde, les filles, c'est trop stupide. Ça fait 30 minutes qu'on est assises là. Et vos petits amis ne sont toujours pas venus. Peut-être qu'ils sont déjà chez le fleuriste. Et ils doivent se demander quelles fleurs on préfère. Les pivoines ou les roses? Ouais. Oh, les filles, vos petits amis ont cessé de vous aimer. Parce que si ces garçons vous aimaient réellement, ils ne flirteraient pas comme ça avec Blondie et Kissa. Nastia, je dois te dire que mon poing gauche est en train de me démanger. Ouais, et le mien aussi. Mais je trouve qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps. Ils doivent être dans le salon. Ou peut-être qu'ils sont à la cuisine, en train de nous préparer des éclairs à la crème. Knopa quoi? Nos petits amis faire des éclairs? C'est tout simplement impossible. Les filles, je peux vous donner un conseil. Restez célibataires. Ouais, comme Nastia et moi. C'est drôle, cool et sans prise de tête. Merci beaucoup pour le conseil. Allons-y, Knopa. Je suis sûre qu'ils sont dans le salon. Ah, allez, allons voir ça. Allons voir s'ils sont dans le salon ou non. Non, ce n'est pas normal. C'est à nous de faire le premier pas. C'est vraiment inacceptable. J'adore trop la tête que font Knopa et Diana. Ouais, elles sont trop drôles. Sean, et si on regardait un film sympa dans ma chambre ce soir? Mais j'ai promis aux autres... Quoi, encore les autres? Quoi, c'est vous? Merde, ils ne sont pas là. C'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup à Thomas et Kirill, n'est-ce pas? C'est vraiment très drôle. Vous n'auriez pas vu Thomas et Kirill? Ah, Thomas... Maya, tu ne vois pas qu'on est en plein rendez-vous? Ah oui, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'en as jamais eu. C'est vraiment très drôle. Attendez, j'entends du bruit. Ils doivent être sur le terrain de basket. Ah oui, sur le terrain de basket. Nastia, allons-y. Nous revoilà seuls. Alors, on regardera un film dans ma chambre ce soir? Je pense que oui. Super, Sean. Je te laisse choisir le film. D'accord. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Les filles, on sait, mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Merci de votre attention. Mais tenez bien nos photos. Les garçons, non, vous avez oublié. On est là pour vous soutenir. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Cool, on le sait. On est cool, on règne. Les filles, allez! Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Les basketteurs sont cool. Les basketteurs règnent. Quoi? C'est quoi cette blague? Comment ça les basketteurs sont cool, les basketteurs règnent? Oh mon Dieu! Les filles, salut! On règne maintenant. On est cool. Les garçons règnent. Blondie, Kissa, mettez vos affiches par terre. Kirill vient, il faut qu'on parle. Thomas, viens ici. Les garçons, vous êtes foutus. Diana chérie, à partir de maintenant, les bunnies ne règnent plus. Maintenant, c'est au tour des basketteurs. Les basketteurs règnent. Elles en font un peu trop. Non, c'est normal. Elles nous soutiennent. Kissa est très jolie avec mon poster. Ah, ils s'en se calment. Thomas, viens ici. C'est la dernière fois que je te le dis. Les gars, likez et abonnez-vous à la chaîne. Quant à nous, nous allons nous occuper de cette rébellion de filles et de cette rébellion de garçons. À bientôt et... au revoir. Kirill, on fait quoi? Les basketteurs règnent. Règnent. Les basketteurs règnent. Les basketteurs règnent. Diana, t'es venue pour m'embrasser? Non, je suis là pour qu'on discute. Oh, quelle prise! Ouais.